Bonjour à toutes et à tous. Baisse des pressions atmosphériques ces deux prochains jours. Résultat, le temps devient plus mitigé de vendredi à samedi, laissant passer quelques ondées. Mais à partir de dimanche, le beau temps revient avec un mercure estival et agréable tout au long de la semaine prochaine. On regarde dans un premier temps la carte météo de ce vendredi 23 août. Alors dès le réveil, le ciel s'annonce bien nuageux sur l'ensemble du département avec de rares averses qui concernent la quasi-totalité de la Vendée, hormis, vous le voyez, l'Île-Dieu ainsi que le sud-est du département. Concernant les températures, eh bien sous cette couverture nuageuse, elles vont se radoucir. Comptez dès le réveil un minimum de 17 à 18 degrés pour l'intérieur des terres et 19 à 20 pour le bord de mer. Puis dans l'après-midi, de belles éclaircies reviennent, mais les nuages circulent toujours. Le mercure, lui, s'annonce doux, avec une moyenne de 23 degrés sur les îles, 24 le long du littoral, 25 dans les terres, voire même 26 degrés du côté de Fontenelle-Comte. Alors, qu'en est-il du programme? Eh bien, de notre week-end. Samedi, le ciel est ensoleillé. Au réveil, il va vite s'ennuager au fil des heures avec des averses qui s'installeront dans le courant de l'après-midi. Les températures affichent une moyenne de 17 à 27 degrés. Dimanche, la fraîcheur revient en matinée avec un minimum de 10 degrés. Comptez 23 au plus chaud l'après-midi. Ce qu'il faut retenir, c'est que le soleil va briller du matin jusqu'au soir. Lundi, plein soleil en matinée suivi d'un bel après-midi ensoleillé. Les températures sont comprises entre 11 et 26 degrés. On revient à notre vendredi 23 août. Le soleil va nous accompagner de 7h14 jusqu'à 21h01. On perd encore 3 minutes de temps d'ensoleillement. Les coefficients de marée sont toujours au-dessus des 100, mais attention, la mer s'annonce agitée avec une température avoisinant les 18 degrés. Je vous souhaite de passer une très belle journée et rendez-vous dès demain pour un nouveau bulletin.